Devinez, j'ai quoi juste derrière moi? Devine, un dressing? Non, non, j'ai un robinet, mon gars. Est-ce que t'as un robinet dans ta chambre, toi? Hein? Est-ce que t'en as un? Non. Archi pratique, c'est trop bien. Et vas-y, ces batailles, faut payer 100 euros en plus tous les mois, donc je sais pas si ça vaut le coup. Je vais tenter un truc, là. Oh, oh là! Les amis, comment on se retrouve? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, moi, je suis trop excitée de mettre cette vidéo parce que je me suis encore lancé un challenge. Aujourd'hui, on va faire du sport. C'est enfin le moment de faire du sport là. Pour en profiter, on est confiné, on n'a rien à faire. Donc, depuis quelques jours, sur mon feed YouTube, il n'y a que des meufs qui font du sport, que des meufs qui font des abdos. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu 2 semaines d'abdos challenge. En gros, t'as un programme de 2 semaines d'abdos que tu dois respecter et que tu dois faire tous les jours. Au bout de ces 2 semaines, t'es censé avoir des abdos et un ventre plat. Bon, bien évidemment, ça faisait déjà 1 semaine que c'était en train de m'appeler. Donc, logiquement, j'ai suivi le mood et je me suis dit, Heidi, il faut que tu fasses ces 2 putains de semaines, ton ventre il te le demande. Bon, pour faire court, la séance, ça va se dérouler en 21 exercices de 30 secondes avec une pause de 10 secondes entre 2 exercices, et c'est censé durer 10 minutes. Donc en gros, c'est ce qu'on va faire tous les jours. Je sais pas si je vais le faire 2 fois par jour ou si je vais alterner avec d'autres exercices, mais en tout cas tous les exercices sont déjà programmés, ils sont tous prévus déjà. En parallèle, je vais faire une autre vidéo avec une autre séance pour les bras, et au bout de 2 semaines on va voir si je vais réussir à affiner mes bras. Donc voilà, ça fera 2 vidéos de sport, et dès qu'elle sortira, je vous mettrai le lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. J'espère vraiment que je vais réussir ce challenge. J'espère vraiment que je vais m'y tenir, mais vraiment. En tout cas, je suis trop motivée de ouf. Donc, il n'y a même pas intérêt à ce que je m'arrête, ne serait-ce une journée, sachant que c'est que 2 semaines. 2 semaines, c'est archi rien. Donc voilà, j'ai intérêt à me donner à fond. J'espère que je vais être motivante et pas ridicule dans cette vidéo, parce que toutes les meufs que j'ai regardées, elles étaient trop motivantes. Elles m'ont trop donné envie de faire du sport. Ah oui, je vous ai pas dit que les exercices venaient d'une youtubeuse américaine. Donc c'est elle qui avait lancé le game un petit peu. Et genre, il y a plein de meufs qui se sont filmées pendant 2 semaines et qui ont réalisé son programme. En fait, c'était un programme gratuit. Je vous mettrai tous les liens intéressants en barre d'infos. Donc ne vous inquiétez pas si vous voulez reproduire. Si jamais à un moment dans cette vidéo, je réussis à vous inspirer, ne serait-ce qu'une seconde, bah, déjà, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et sur ce, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Faut se mesurer. Là, on va passer au moment le plus chiant, c'est le moment où on va se mesurer. Donc, je veux pas de négativité dans les commentaires, attention. Que des encouragements et de la paix, parce que dans tous les cas, au bout des 2 semaines, j'aurai un putain de ventre. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Ce sera du passé. Vous avez qu'à avancer la vidéo dans 10 minutes et ben vous allez voir, j'aurai un beau corps sexy et bronzé. Bon, bronzé, faut pas rêver, hein, on va rester confinés. Hein. Bon, j'arrête de parler de dire de la merde et c'est parti pour se mesurer. Eh les gars, ce savon de chez Yves Rocher, il sent tellement bon. Ça a la lavande et ça... Oh mon dieu, ça fait 3 ans que je l'ai jamais ouvert tellement il sent bon, genre j'ai pas envie d'utiliser. Bref, vas-y, je m'égare là. Ça, j'ai passé 2 heures à Carrefour pour le trouver, ce mètre. Pour moi, c'était indispensable. Il faut absolument que je me mesure avant de voir les résultats. Même si en soi, on va voir les résultats visuellement, j'ai vraiment envie d'avoir un résultat chiffré, tu vois. Et c'est un gentil monsieur qui m'a dit que c'était dans les trucs des coutures. Voilà. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Donc voilà, je vous présente mon ventre. Je vous présente ma petite tache de naissance ici. Donc en soi, hein, j'ai pas de la graisse de ouf. Hein. Ce que je veux vraiment, c'est... ne plus avoir ces bourrelets là, avoir un truc affiné ici et affiner encore plus ma taille. Donc voilà, on va dans un premier temps mesurer la taille. Comment on mesure? Je sais même pas mesurer déjà. Je suis à 69 en taille, 69 cm. En vrai, j'aurais jamais osé vous montrer mon ventre là comme ça en vidéo. Et comme je sais que dans 2 semaines ce sera plus comme ça, et ben j'en ai rien à foutre. En bourrelet, on fait. Je sais pas si je fais bien là. C'est bien, non? Les stylistes, là, c'est bien comme ça qu'on fait, non? Bon, je rappelle le but, hein, c'est de passer d'une ceinture abominable à une ceinture abdominale. 81 cm au niveau des bourrelets, c'est bon. Bon, maintenant que vous avez vu la terreur, on va passer aux exercices. C'est parti.
Alors attendez, on va faire un gros débrief là. J'en peux plus. Je dois porter l'eau. J'ai quelle idée de faire du sport avec les cheveux lâchés. J'ai rien compris. Débriefing. Alors je sais pas si ça s'est vu ou pas, mais j'ai souffert de ouf. Et en fait je me rends compte à quel point mon corps il avait trop besoin de faire du sport depuis tout ce temps. J'ai grave souffert mais c'est passé hyper vite. Je me dis que c'est le premier jour donc c'est normal. Je suis sûre qu'à la fin de cette semaine je ferai ces exercices facilement. Et limite je le ferai deux fois par jour. Mais là pour l'instant non, c'est mort, je fais pas ça deux fois par jour. Franchement là c'est le premier jour et même si j'ai grave souffert, franchement je sens que je peux le faire. Je vois pas pourquoi les américaines elles arriveraient et pas moi. Donc franchement j'ai même pas intérêt à arrêter. Parce que si j'arrête, si je fais pas ces deux semaines, et qu'est-ce que je veux de plus? C'est même pas compliqué en vrai. Genre ok j'ai souffert mais c'est parce que ça faisait longtemps. Et genre franchement, je suis obligée de continuer. Encouragez-moi dans les commentaires. Même si à ce stade-là, j'aurais déjà terminé. Bon, on se retrouve dans les prochains jours avec les autres exercices. Voilà. Et alors bilan de cette première semaine. Alors comme vous l'avez vu, les deux premiers jours ont été mais hyper durs. Rien qu'en me voyant en train de faire l'exercice, ça se voit que j'étais en galère totale. J'ai eu mal partout dans mon corps les trois premiers jours. J'ai eu des courbatures partout. Mais sinon en globalité cette première semaine s'est plutôt bien passée. Franchement j'ai hyper bien mangé, c'est à dire que j'ai pas grignoté du tout. J'ai mangé que des légumes et que des fruits. Enfin vraiment beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Peut-être pas assez de protéines je l'avoue. Alors évidemment si je fais cette coupure en plein programme, c'est pour qu'on se mesure au bout de la première semaine. On va voir ce que j'ai pu perdre. Si j'ai plus perdu du ventre ou des bras. Donc je fais également un programme pour les bras. Franchement j'ai plus souffert physiquement que mentalement. Dans le sens où mon corps il avait pas fait de sport depuis très longtemps en fait. Et juste la reprise je l'ai bien senti. Niveau mental, le fait que j'ai mangé genre hyper sainement, que j'ai pas fait d'écart etc. Ça va parce qu'en général en fait je suis pas une personne qui grignote de ouf, qui mange de ouf tu vois. Donc ça va, genre c'était pas non plus waouh. Pour la semaine qui arrive, je doublerai les exercices. Donc tout ce que je faisais en abdos, je le ferai deux fois. Concernant la youtubeuse que je suivais, pour être honnête avec vous, elle m'a un peu saoulée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté un petit peu ces exercices par-ci par-là. J'en ai pris d'autres de d'autres vidéos et je les ai rassemblés et j'ai fait ma propre séance. J'ai lâché son truc parce que vas-y, j'aimais pas, ça me démotivait trop vite en fait. Donc c'est parti pour se mesurer. J'espère vraiment qu'il y aura une différence. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour enfin terminer et voir si mes efforts ont abouti à des résultats inspirants. Bref, c'est parti, j'arrête de parler pour rien. Alors, en ce qui concerne le ventre, donc là, franchement, je vois pas de différence. Je pourrais pas vous dire s'il y a une différence de ouf. Donc voilà. Alors, en taille. 65 cm. Et la semaine dernière, on était à 69. On était à 69 la semaine dernière. J'y crois pas. J'ai perdu 4 cm de taille. Les gars, j'ai perdu 4 cm de tour de taille. Je suis choquée. Les bourrelets maintenant. 79. Et la semaine dernière, 81. Donc en bourrelet, j'ai perdu 2 cm. C'est bien, c'est super bien, je suis fière de moi là. Franchement ça me motive pour la semaine qui va suivre. Franchement je suis dégoûtée dans le sens où j'ai pas de balance. Je peux pas me peser, je peux pas voir combien de kilos j'ai perdu. Ça j'aurais bien voulu savoir. Mais c'est pas grave, de toute façon les mesures c'est ce qu'il y a de plus important. Franchement je suis super contente de ces premiers résultats. Du coup là je suis super motivée pour cette deuxième semaine. Et c'est parti, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains résultats. Ok les amis, on arrive à bout de ces deux semaines de challenge. On est lundi 13 avril et on a commencé le lundi 30 mars. Ça fait donc deux semaines et ce challenge est enfin
terminé. Je suis super fière de moi d'avoir terminé ces deux semaines genre sans faute, en m'entraînant vraiment tous les jours et en mangeant vraiment équilibré. Donc comme ça, quand je me regarde et tout, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de différence avec la première semaine. Mais vas-y, on va voir. On n'est jamais au bout de nos surprises. On se retrouve avec ça. Alors, comme ça, je dirais que j'ai perdu des bourrelets. J'ai plus perdu des bourrelets la deuxième semaine que la première semaine. On voit mes obliques dessinés, je sais pas si vous verrez à la caméra. On voit pas les abdos à proprement parler quand je fais pas d'exercice. À la fin de chaque exercice, il y a tous mes abdos qui sortent. Mais là comme je suis pas entraînée juste avant, on voit pas vraiment. Du coup, c'est parti, on va se mesurer. On commence avec la taille, comme d'hab. En taille, on est à 63 cm. Alors que la semaine dernière, on était à 65 cm. Waouh! J'arrive pas à me rendre compte en fait qu'à chaque fois il y a des écarts. Sachant que le tout premier jour on était à 69 cm. Donc j'ai perdu 6 cm. C'est très bien au niveau de la taille. Voilà, je suis assez fière de moi. Franchement, c'est bien. Hein. Voilà, on voit que mon ventre il s'est quand même aplati. Hein. Maintenant, les bourrelets. On est à 76 cm. Alors qu'au début de la semaine dernière on était à... Wow, 79. Je suis choquée. Attendez, je recommence. J'ai remarqué que j'avais perdu grave des bourrelets et tout. Mais à ce point, et on est bien à 76 cm. Le tout premier jour, on était à 81 cm. Et là, on est à 76 cm. Et c'est ouf. Genre, en deux semaines, j'ai perdu autant. Donc voilà, ça c'était au niveau des abdos. La vidéo qui va suivre, je posterai ce challenge, mais pour les bras. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça vous êtes au courant quand je la sortirai. Et pour vous dire que j'ai eu vraiment beaucoup de résultats au niveau des bras, donc si vous voulez mincir vos bras, voilà. Dites-moi si ça vous a inspiré, si je vous ai motivé en me voyant tous les jours en train de m'entraîner. Donc dites-vous en plus de ça que c'est que deux semaines c'est très court. Donc voilà, si vous voulez réaliser ce challenge, n'hésitez pas à tout donner en deux semaines. Je vous assure que les résultats, vous allez les voir. C'est pas parce que vous êtes coincé chez vous, bloqué chez vous, qu'il n'y aura pas de résultats, la preuve. Et je suis super contente parce que je m'attendais vraiment pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire gentil, à vous abonner et à liker la vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. C'est fini pour moi, ces deux semaines sont enfin terminées. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.